Sur les questions relatives aux migrants évoquées par Monsieur Le Gac, deux réponses. D'abord, pour dire que nous partageons cet objectif et qu'il y a un programme qui existe depuis maintenant 3 ou 4 ans, qui s'appelle le programme Agir, et qui vise à l'insertion professionnelle des migrants dès lors qu'ils ont le statut de réfugié politique. C'est un programme dont nous avons augmenté les crédits, y compris pour faire face aux besoins liés à l'insertion professionnelle des ressortissants ukrainiens qui n'ont pas le statut de réfugié, mais de protégés temporaires. Mais c'est un programme auquel nous tenons et qui permet effectivement de valoriser des compétences, de répondre à des tensions et surtout de garantir une autonomie et une intégration professionnelle. Nous avons un deuxième projet que je veux porter à votre connaissance. C'est le fait que l'OFI et Pôle emploi construisent actuellement une application numérique mise à disposition des primo-arrivants lorsqu'ils auront obtenu leur titre de séjour, quelle que soit la nature du titre de séjour, pour permettre aux services compétents de garder un lien et d'avoir aussi une possibilité de rendre adéquate ou de mettre en adéquation les compétences, les formations et les besoins que l'on peut rencontrer. Et puis enfin, un troisième point, mais qui est au-delà des questions de statut qui concernent l'immigration économique, il y a une liste de métiers, considérée comme une liste de métiers en tension, pour lesquels la conclusion d'un contrat de travail avec un ressortissant étranger non communautaire n'est pas soumise à un accord préalable des DRIET. Cette liste gagne à être revue, parce que certains des métiers de la liste ne sont pas des métiers en tension, ne le sont plus, et d'autres métiers en tension ne sont pas dans la liste. C'est un travail conjoint que nous ouvrons avec le ministre de l'Intérieur.